Il était colossal. J'ai regardé mon père et je lui ai dit de l'abattre. Il était couvert de sang. Mes enfants grandiraient sans leur père et ma femme devrait vivre sans son mari. J'étais dans le pétrin. Je pensais très fort à mes parents. Il ne voulait pas mourir seul. Il avait besoin de moi. J'avais prévu aller surfer et passer le reste de la journée en famille. Où l'on habite au Costa Rica, je peux prendre le VTT, aller surfer, puis rentrer à la maison, retourner en vélo, surfer quelques vagues et rentrer me reposer. J'adore surfer. J'essaie d'y aller deux fois par jour. Je passerais ma vie à surfer si je le pouvais. Dès que j'entre dans l'eau, j'oublie tous mes soucis et mes ennuis. Je me sens libre. On se méfie toujours de la présence des requins, car le danger est bien réel pour les surfeurs. On ne sait pas sur quoi on peut tomber une fois dans l'eau. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Sinon, on devient complètement parano et on ne peut pas surfer en paix. Il faut passer par-dessus. Dakota est mon fils chéri. Il a toujours été très indépendant. Il est très athlétique. Il réussit tout ce qu'il entreprend. J'adore ma mère. Elle est toujours là pour moi. La famille est tout pour moi. Il n'a peur de rien. Ce qui n'est pas très rassurant pour une mère. Je m'inquiète des requins. Car plusieurs espèces viennent près du rivage. Je me suis mis à l'eau. J'étais très détendu. C'était une belle journée ensoleillée. J'étais calme et je me sentais en sécurité. Puis, tout à coup, j'ai senti des crocs s'enfoncer dans ma jambe. Je n'ai rien vu, pas même une nageoire. Je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. J'ai senti la chair déchirée. Puis qu'on essayait de m'attirer au fond. J'ai été saisi. J'étais sous le choc. J'avais la nausée. J'étais ballotté d'un côté et de l'autre et très désorienté. Je sentais qu'on voulait m'attirer sous l'eau. Mais je ne voyais toujours rien. J'ai levé les yeux et je l'ai vu. C'est un crocodile. Il essayait de me noyer en me secouant dans tous les sens. J'entendais l'eau éclabousser. J'étais fichu.
Chaque année en septembre, Ronnie et moi allons en voyage de chasse au même endroit depuis quelques années. J'allais à la chasse avec mon père. Je fais la même chose avec mes propres enfants. Cela me permet de passer du bon temps avec mon père. C'est génial. Il n'est pas que mon père, il est aussi mon ami. On fait tout ensemble. On chasse et on pêche ensemble depuis que Ronnie est petit. Il a toujours adoré cela. En tant que père, je suis ravi de partager cette passion avec lui. Je vieillis, je ne peux plus faire tout ce que je faisais avant. Il me motive à continuer. Si ce n'était pas de lui, je n'irais jamais seul à la montagne. Le voyage a commencé comme d'habitude. On a parcouru environ 25 km à cheval. À cette période de l'année, on entend les sabots cogner sur les rochers et le ruisseau couler. On est seul avec la nature. Quand on va en forêt pour chasser, on quitte littéralement la civilisation. C'est un moment de pure détente. En allant là-bas, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de guider ma flèche pour me permettre d'abattre mon premier wapiti à l'arc. J'attendais ce moment avec impatience et j'avais besoin de son aide. On s'est levé très tôt le lendemain. J'étais sûr qu'on abattrait une bête, car on allait dans un de nos sites de prédilection. On a décidé de laisser nos pistolets au camp. On était déjà très chargés. On s'est dit qu'on n'en aurait pas besoin. Tout allait pour le mieux, si ce n'est que j'ai manqué deux wapitis. Je sentais la frustration monter en lui, et en moi aussi. On était passé à un poil près plusieurs fois, mais en vain. Quand on est arrivé sur le site en question, on a décidé où je m'installerais et que mon fils resterait un peu plus haut, à une trentaine de mètres. J'appelais le wapiti tout en observant les environs. Soudainement, j'ai entendu bouger derrière moi. J'ai sursauté. Mais ce n'était qu'un jeune wapiti. Ce n'était pas un bébé, mais il était trop petit pour que je l'abatte. Alors je l'ai laissé filer. Je suis revenu sur mes pas et j'ai continué à appeler un autre mâle qui se trouvait dans les parages. J'étais prêt. Mon arc était tendu et ma flèche en place. Je l'ai vu à une quarantaine de mètres plus bas. J'allais enfin avoir la chance d'abattre mon premier wapiti. J'attendais que mon père décoche sa flèche. Quand tout à coup, le wapiti a déguerpi. Et on l'a perdu de vue. Je me suis levé pour suivre sa trace et j'ai entendu quelque chose derrière moi. Je me suis retourné en m'attendant à voir un autre wapiti. Mais c'était un ours.
Il avait les yeux brillants. Deux grosses billes noires fixées droit sur moi. Il se préparait à attaquer. Il m'agitait dans tous les sens. C'était affreusement douloureux. Il était incroyablement fort. Ma planche de surf était mon seul espoir. C'était ma bouée. Il fallait que je reste en surface. Sous l'eau, je n'avais aucune chance de m'en sortir. Tout à coup, le crocodile a lâché prise et il s'est éloigné. Je me suis mis à nager en criant à plein poumon. J'ignorais s'il me pourchassait ou non. Mais ma seule chance était de partir de là et de regagner le rivage au plus vite. En regardant derrière moi, j'ai vu une mare de sang. On aurait dit une rivière rouge. C'était mon sang. Et j'en perdais beaucoup. Je criais sans arrêt, en nageant le plus vite possible. Il fallait regagner la plage. Mon mari et moi, on se baladait sur la plage. Et on a vu cet enfant sur sa planche. Il n'avait pas l'air d'aller. On l'a entendu crier. Et on a vu du sang. Il est resté couché à plat ventre sur sa planche, jusque sur le sable. Il n'aurait pas fait cela en temps normal, car cela abîme la planche. Il s'est levé en titubant. Il a chancelé, et j'ai compris qu'il était blessé. Lentement mais sûrement, il s'est extirpé de l'eau. On aurait dit qu'il avait quelque chose planté dans le bas du mollet. Ce n'était pas clair. Puis j'ai compris que c'était son mollet qui lui pendait à la cheville. Notre journée a été bouleversée. On voyait son fémur et l'intérieur du genou. Sa jambe était mutilée. C'était affreux. Une vision d'horreur. Il perdait beaucoup de sang. Alors j'ai enlevé mon pareo. Et je l'ai enroulé autour de sa jambe. Je ne l'ai même pas regardé. J'essayais de me faire rassurante et de ne pas dramatiser la situation pour ne pas l'affoler. C'est là qu'il a dit « Andrea, ne me laisse pas mourir ». J'étais sous le choc. Comment pouvait-il savoir mon nom? Je me suis tournée vers lui, et quand il m'a regardée avec ses grands yeux bruns, j'ai réalisé que je le connaissais. Ce fut comme une claque en plein visage. Oh my God.
C'était Dakota. J'ai su à son regard qu'il allait m'attaquer. J'ai levé les mains en l'air et je lui ai crié de s'en aller pour lui montrer que j'étais un humain. Dès que j'ai entendu Ronnie crier, j'ai su que c'était un grizzly. Il a tendu les oreilles vers l'arrière, signe qu'il n'entendait pas à rire. Je me suis précipité dans la pente. Il a foncé droit sur moi. On aurait dit un train de marchandises filant à toute allure. J'ai dévalé la pente. Si vite que j'arrivais à peine à me tenir debout. Il a couru dans ma direction. Une quarantaine de mètres nous séparait. L'ours le talonnait. J'ai tendu mon arc. Je courais à toute allure quand, tout à coup, j'ai vu la flèche me frôler la jambe. J'ignorais si elle avait atteint sa cible. Je ne sais pas non plus si j'ai trébuché ou si l'ours m'a jeté au sol. Mais j'étais par terre et lui sur moi. Je sentais son souffle. Je l'avais en plein visage. J'essayais de me débattre, mais il était colossal. C'était peine perdue. Je ne pouvais rien contre lui. Je savais que je l'avais touché, mais je ne savais pas où. J'ai pensé à la première fois où j'ai pris Ronnie dans mes bras. Il était si petit. Et maintenant, un grizzly allait le réduire en bouillie. Tout à coup, le garçon a parlé. Il a dit « Andrea, ne me laisse pas mourir ». En le voyant, j'ai réalisé que c'était Dakota. Quand il a prononcé mon nom, j'ai pris conscience que c'était le fils de mon ami. Je ne m'attendais pas du tout à cela. On en a fait une affaire personnelle.
J'avais le fils d'une amie entre les mains. Il fallait l'emmener à la clinique, sans tarder. Le plus tôt serait le mieux. En le portant sur la plage, je me suis demandé que faire. La voiture était bien trop loin. On n'arriverait jamais à temps à la voiture. J'étais effrayée. Je commençais à paniquer. Tout était si irréel. J'étais paniquée. J'ai vu une voiture arriver du coin de l'œil. J'ai foncé sur elle sans réfléchir. J'ai dit au chauffeur qu'on était dans le pétrin et qu'on avait besoin de son aide. Juste avant de partir, Andrea a décidé d'aller prévenir les parents de Dakota. J'ai fait demi-tour pour aller chercher ma voiture. J'ai fermé le coffre et le conducteur nous a demandé où on voulait aller. Dakota était livide. Il était très amorphe. Je craignais qu'il perde connaissance, car je n'aurais pas su quoi faire. De toute évidence, il était en état de choc. Je revoyais les événements en boucle dans ma tête. Tout allait si vite. Le temps filait. J'avais des sueurs froides et la nausée. Je voulais voir ma famille. Je perdais sans cesse connaissance. Je pensais sérieusement que j'allais y passer. J'ai pris la route pour aller prévenir sa mère. J'ignorais si Dakota se rendrait à la clinique. C'est à ce moment que j'ai constaté que mes vêtements étaient couverts de sang. Comment allais-je lui annoncer la nouvelle ? Je lavais la voiture, la tête penchée, en train de frotter, quand j'ai entendu crier de l'autre côté de la clôture. Je me suis demandé qui cela pouvait bien être. En descendant dans la rue, j'ai vu Andrea. Je ne m'attendais pas à ça. Elle avait l'air affolée. J'ai inspiré, je l'ai regardée et je lui ai dit que j'avais une mauvaise nouvelle. Que Dakota avait été attaquée par un crocodile. Dès que je suis tombé au sol, il s'est jeté sur moi. Je le frappais de toutes mes forces. Je pensais à la flèche de mon père. J'espérais qu'elle ait atteint sa cible et qu'elle fasse son œuvre. Ronnie se débattait étendu sur le dos. Il essayait de protéger son visage avec ses mains, tout en lui assénant des coups de pied. On aurait dit qu'il roulait en vélo à toute vitesse. Je me débattais comme un fou. C'est là qu'il m'a mordu le bras droit. J'ai cru qu'il venait de me broyer les os. Je devais faire quelque chose pour le sortir de là. L'ours m'a agrippé par le bras et m'a projeté sur mes pieds. Sur ces entrefaites, je me suis retrouvé debout de nouveau. La seule chose à faire était de descendre la pente en courant. C'était ma seule chance de m'en sortir. J'ai voulu sauter entre deux arbres qui se rejoignaient à la base et j'ai perdu pied. L'ours s'est jeté sur moi de nouveau. Je savais que cette fois, il ne me lâcherait pas.
C'était comme une claque en plein visage. Elle est restée clouée sur place. Elle est devenue toute pâle et s'est mise à vaciller. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle s'effondrerait. Ma première réaction a été de partir, tout de suite. Le reste du monde a cessé d'exister. Plus rien ne comptait. Je me fichais de ce qui se passait autour. Je criais par la fenêtre pour que les gens s'écartent de mon chemin. Je voulais être au chevet de Dakota au plus vite. Il fallait qu'il tienne le coup jusqu'à ce que j'arrive. Tout le reste n'est qu'un vague souvenir. En arrivant à la clinique, je me souviens de m'être étendu. Des médecins s'agitaient autour de moi. J'étais dans une espèce de brouillard. Comme s'il y avait un décalage entre ce qui se passait et ce que je voyais. Mes parents me manquaient affreusement. C'est tout ce qui m'importait, que mes parents soient à mes côtés. En arrivant à la clinique, j'avais des palpitations. J'étais si effrayée que je suis entrée dans la clinique en criant à tue-tête. « Où est-il ?» Jusqu'à ce que quelqu'un nous réponde. J'ai compris qu'il était vivant, et c'est tout ce qui comptait. Il avait le visage tout en sueur. Il avait l'air si petit. Ce n'était qu'un petit garçon vulnérable, tremblant de douleur. Il était si soulagé de me voir. Il ne voulait pas mourir seul. Il avait besoin de moi. Ma mère est arrivée. Elle s'est approchée, m'a pris par la main et m'a dit que tout irait bien, que je m'en sortirais. J'étais très content de la voir. Le médecin était vraiment très nerveux. Il était désemparé, car il ne savait pas quoi faire. La jambe de Dakota était mutilée. Il avait besoin d'une chirurgie et de soins spécialisés. Ils ont pansé ses blessures pour le maintenir en vie et ont tenté de limiter la douleur, mais sans plus. Il y avait un chirurgien orthopédiste à San José. Il fallait se rendre là-bas. Le médecin a dit qu'on avait 6 heures pour se rendre à l'hôpital. Sinon, je courais un sérieux risque. Après 6 heures, ma jambe pouvait s'infecter et mettre ma vie en danger. Ils ont tenté de faire venir un hélicoptère, mais en vain. J'étais désespérée. J'ai appelé mon mari. J'ai expliqué à Todd qu'on n'avait pas le choix. Qu'il fallait se débrouiller pour trouver un hélicoptère ou un avion. Sinon, il allait mourir. J'étais dans une impasse. Il aurait pu me réduire en bouillie. J'essayais de me débattre en lui mettant les mains dans le visage quand il m'a mordu à la main. J'avais l'impression de me battre en sachant la lutte perdue d'avance. Peu importe ce que je faisais, l'ours continuait à s'acharner. Je savais que je ne tiendrais plus très longtemps. J'ai descendu la pente en essayant de trouver quelque chose pour m'en prendre à l'ours. Tout ce que je voulais, c'était libérer mon fils de ce grizzly. Je n'ai rien trouvé par terre, alors je me suis rabattu sur mon arc. Je ne voyais même plus Ronnie. L'ours le recouvrait complètement.
Je tenais l'arc à deux mains et je frappais l'ours de toutes mes forces. J'ignorais dans quel état se trouvait Ronnie. Je frappais l'ours pour qu'il lâche prise. S'il laissait Ronnie tranquille, il s'en prendrait à moi. Mais peu importe. S'il s'attaquait à moi, Ronnie aurait peut-être une chance de s'en tirer. Il avait toute la vie devant lui. J'avais déjà vécu pleinement la mienne. Tout à coup, j'ai senti le poids de l'ours se retirer sans trop comprendre ce qui se passait. En tournant la tête, j'ai aperçu mon père du coin de l'œil. L'ours l'avait dans sa mire. S'il s'en était pris à mon père, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire. Je me suis dit, ça y est, c'est mon tour. J'ai compris que ma vie était réellement en danger. L'attente était interminable. On aurait mis 4 heures pour y aller en voiture. Il fallait trouver un hélicoptère ou un avion. Je ne supportais pas de le voir souffrir ainsi. Si seulement j'avais pu prendre sa place. Finalement, mon mari Todd m'a annoncé qu'il avait trouvé un avion, qu'il était en route et nous attendrait sur la piste. Quand on est arrivé à l'hôpital, qu'ils ont retiré les bandages et que j'ai vu dans quel état se trouvait sa jambe, j'ai compris à quel point c'était sérieux. Sa jambe était en lambeaux. Il avait de la chance d'être toujours en vie, car c'était un véritable film d'horreur. J'ignorais si les chirurgiens arriveraient à sauver sa jambe. L'ours a lâché Ronnie. Il s'est tourné vers moi et a fait quelques pas en ma direction. Je me suis dit, ça y est, c'est mon tour. Mais il a fait demi-tour et il s'est dirigé droit vers l'arbre à côté de Ronnie. J'ai cru qu'il allait s'en prendre de nouveau à moi, mais il a continué son chemin. Il a marché une vingtaine de mètres, s'est arrêté, nous a regardés, et j'ai vu où ma flèche l'avait touché. J'ai regardé mon père, et je lui ai dit de l'abattre. Si je décochais une autre flèche, je craignais que les choses empirent. Il m'a dit qu'il ne pensait pas que ce soit nécessaire. L'ours s'est retourné. Et il s'est effondré. Il est mort. C'est à ce moment seulement que j'ai su que la flèche l'avait touché. La flèche s'est logée dans une artère principale entre le menton et le sternum. Je n'aurais pu mieux viser. C'est un coup de chance, car je ne suis pas un tireur d'élite. Je venais de manquer de wapiti. J'ai couru auprès de Ronnie. Il était couvert de sang et il commençait à trembler. J'étais frigorifié et je commençais à avoir trouble.
La douleur commençait à se faire sentir. Elle était intermittente, mais de plus en plus intense. Sur le chemin du retour, je craignais qu'il succombe à ses blessures sans même que je m'en aperçoive. Il avait été mordu à la main gauche. Il était mutilé. On avait près de 25 km à faire et aucun signal sur mon téléphone. 7 longues heures avant d'arriver au camion, sans compter une heure pour se rendre en ville. Je luttais pour rester conscient. Je pensais à ma femme et à mes enfants. Si je ne m'en sortais pas, mes enfants grandiraient sans leur père et ma femme devrait vivre sans son mari. Il n'était tout simplement pas question de mourir dans ces montagnes et de les abandonner. J'allais me battre jusqu'au bout. Il nous a fallu 7 longues heures pour sortir de la piste et regagner le camion. La douleur était omniprésente au bras, à la main et au dos. J'essayais de lui parler. Je ne voulais pas qu'il perde connaissance et je savais qu'à ce stade, il se demandait s'il s'en sortirait vivant ou non. Je n'avais plus conscience de rien. J'étais frigorifié et je luttais pour ne pas perdre connaissance, car j'ignorais dans quel état je me trouvais. Je n'ai jamais été aussi soulagé de regagner la civilisation et de me rapprocher des secours. Sa main gauche avait été mutilée, il avait été mordu à l'avant-bras droit et une fois au dos. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu mon congé le lendemain. J'étais vraiment heureux de rentrer chez moi. Je profite de chaque moment passé avec ma famille, car je sais que la vie peut basculer en un instant. Je suis persuadé que mon père m'a sauvé la vie ce jour-là. J'en suis profondément convaincu. Je suis si fier de lui. S'il n'avait pas lutté contre cet ours comme il l'a fait, les choses auraient pu être bien pires. Je ferais tout pour lui. Je suis sérieux. Je donnerais ma vie pour lui sans hésiter s'il le fallait. Dieu a entendu mes prières. Il nous a fait toute une faveur cette fois. Alors je suis doublement reconnaissant. Il ne restait plus qu'à attendre. Je pensais à la solitude et à la douleur que devait éprouver mon fils. Il ne méritait pas ça. Mon fils, mon bébé. Il était en vie,
mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il pourrait ne jamais courir et jouer au soccer avec ses propres enfants. Il pourrait ne plus jamais marcher. Dès que je me suis réveillé le lendemain à l'hôpital, mes parents m'ont annoncé que ma jambe était sauvée. J'étais vraiment soulagé. J'étais à l'hôpital, j'avais toujours mes deux jambes et je prenais du mieux. Sa jambe était hors de danger. Ce fut tout un soulagement. J'ai été hospitalisé pendant 2 semaines et demie. Ma mère est restée à mon chevet tout ce temps. Sa présence était très réconfortante. Je lui ai souvent répété que je l'aimais. Les médecins ne voulaient pas me le dire, mais 2 centimètres de plus, et la morsure touchait une artère. Je me serais vidé de mon sang avant d'arriver à la clinique. Heureusement qu'il y avait quelqu'un sur la plage quand je suis revenu. J'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir sans trop de mal. On ne réalise pas toujours la chance qu'on a. Ce n'était qu'un enfant, mais il a été très courageux. Je me sens très protectrice envers lui. Un lien particulier nous unit à Dakota. Il ne méritait pas ce qui lui est arrivé, mais il a fait preuve d'un courage exemplaire. Quelques semaines, à peine 1 mois après le retrait du plâtre, il remontait sur sa planche. Je ne pensais pas qu'il retournerait si tôt, mais cela lui a fait le plus grand bien. Les premières fois où je suis retourné surfer à cet endroit, j'étais très craintif. Mais j'ai appris à maîtriser ma peur. J'aime toujours autant le surf. Je monte sur ma planche et je me donne à fond.